Nous sommes dans la région de Saint-Louis, sur la route nationale numéro 2, à hauteur du croisement Kassak. Difficile de rejoindre le village de Belel Mbaye en traversant la réserve spéciale Avifone du Ndjayel à partir de la route nationale numéro 2. Juste une piste qui s'arrête net à 3 km du village parce que coupée par le lit du Nyetiyon appelé Tanchal par les populations de Belel Mbaye. Il s'agit d'une piste de 9 km qui part du croisement Kassak sur la RN2 pour atteindre Belel Mbaye. Wetlands International Afrique, l'USN Netherlands et Both Ends en sont les bailleurs dans le cadre du programme Écosystème Alliance et le projet de contribution à la restauration de la réserve du Ndjayel. Les travaux de réalisation de cette piste sont en cours. Une occasion pour l'équipe de Wetlands International, dirigée par Pape Mawad Wad et Yahya Gueye, de se rendre compte des attentes des populations. Ndak ci lañu sowé suñu ay malade lay gëna yom lañu gëna nekkal poste santé Kassak sud lañu bok kon diñu amé jafé jafé nawet bu ndok bi amé pour sarret bu amé fi malade té accousé wala di paludisme wala lenen diñu ci am jafé jafé muñu amé piste bi nak di melna di dessu tuñu dar am nañu lepp. On piste bi defu ñu amal ndir ñun ñu ngi kalaat ñu mel ñu da ñu jappalé ñu ubbi fi ay touristes ñu am ci yaakar suñu jabboti am ci yaakar ni mu am fuñu daan seen doole. Espoir légitime des populations de Belel Mbaye grâce au projet Écosystème Alliance de Wetlands International et ses partenaires de l'UICN, Netherlands et Both Ends sont renforcés par les progrès dans les réalisations de la piste de désenclavement. Et puisqu'elle traverse la réserve spéciale Avifone du Ndjayel, un screening environnemental a été réalisé par le ministère de l'Environnement du Sénégal. Donc l'objet principal de cette mission, c'était de voir par rapport à la mise en place de cette piste, quels sont les différents impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement. Ça permet de faire un balayage pour voir exactement si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ou pas. C'est conformément à la loi. Donc et par rapport à la nature du projet et des enjeux du projet, il se pourrait que le projet puisse faire l'objet soit d'une étude d'impact ou bien d'une évaluation environnementale stratégique. Étant donné qu'on est dans une zone, dans la réserve du Ndjayel, et donc c'est le lieu d'implantation de la piste, comme on sait que c'est une zone sensible, c'était quand même nécessaire qu'on vienne sur le terrain pour voir exactement en termes d'impact, qu'est-ce que le projet pourrait avoir sur l'environnement, impact sur la faune, sur la végétation et tout ça, pour voir est-ce que le projet peut nécessiter des actions de reboisement, est-ce que le projet aussi peut avoir des impacts sur la faune et la flore. Les conclusions du screening maintenant favorables au projet, les travaux d'exécution de la piste de désenclavement de Belel Mbaye se poursuivent pour soulager les populations du Ndjayel.